Le deuxième groupe de cette phase finale est sans aucun doute le plus déséquilibré. Face à la surpuissante équipe de Hongrie et à l'Allemagne en net progrès, se présentent la Turquie et la Corée. Mais les Germaniques n'ayant pas été désignés tête de série, Allemands et Hongrois s'affrontent à balles et une des deux nations risque l'élimination. Au bout de 20 minutes de jeu, la Hongrie mène déjà de 3 buts grâce à un doublé de Sándor Kocsis et un but de Ferenc Puskás. Les Hongrois peuvent entrevoir une place en quart de finale. Sándor Kocsis, auteur d'un quadruplé lors de cette rencontre, et Ferenc Puskás, sans doute, les deux meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Les Hongrois l'emportent finalement 8 buts à 3 au terme d'un des matchs les plus prolifiques en but de la compétition. La Hongrie disputera les quarts de finale, mais sans Ferenc Puskás, blessé à la cheville. L'Allemagne devra, elle, jouer les barrages.